LB-217, pure lignée de lycanthrope. Merci d'être venu me sauver. La force du loup, c'est le clan, ne l'oublie pas. Ok. Et ça va marcher. J'en suis sûre, papa. Une photo de moi? Ça n'est pas toi. C'est Dragomir, quand il avait 14 ans, juste avant sa première pleine lune, juste avant qu'il ne devienne loup-garou. C'est fou comme il se ressemble. Ah. Quand est-ce que vous avez su que moi aussi j'en étais un? Au cimetière. Je sais. Mais comment? La tombe de Dragomir, il a pu lire l'inscription. Seuls les yeux d'un loup-garou pouvaient lire ce qu'il y avait écrit. Dragomir a fait ça pour protéger son secret. Bonjour. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Papa, c'est le type dont je t'ai parlé, celui avec la cape. S'il vous plaît, messieurs, dames, permettez-moi de me présenter à vous. Je m'appelle Igor von Hellmann Stanislavski. Je suis l'exécuteur testamentaire de votre oncle. Vous auriez pu me prévenir. Je ne faisais que suivre les ordres de votre oncle. Ma mission était de veiller sur vous en attendant que certaines situations se débloquent d'elles-mêmes. Et je crois que c'est le cas, n'est-ce pas? Oui. En effet. Très bien. Alors, nous pouvons procéder. Une fois que vous aurez signé, le manoir de Wolfsberg deviendra officiellement la propriété de votre famille. Le testament stipule également que vous devrez garantir un emploi ainsi qu'un logement au manoir de Wolfsberg pour Madame Barcola. Qu'est-ce que c'est? Ce chèque représente le reste de l'héritage laissé par votre oncle. Oh, c'est une blague! Alors ça, je m'y attendais pas. Je vous l'avais dit, on est riche. Ça veut dire qu'on n'a plus à vendre la maison. Et qu'on n'a plus à vendre le château non plus. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Je dois aller au festival Moonlight Mania. Je compte bien vous y voir. Dites, je serais curieux de savoir comment Dragomir a fait pour réunir une telle somme. Il a inventé le karaoké. Goran, tu saches quelque chose. Je serai plus jamais la fille que t'as rencontrée le premier jour au magasin. Ah, ça, j'ai cru comprendre. J'espère seulement qu'elle n'a pas complètement disparu. Je te le jure. Mais la nouvelle Jordan est toujours là aussi. Cet endroit m'a vraiment changé. Ça me dérange pas. Parfois, le changement, ça a du bon. Ouais, je suis d'accord. Au fait, où est passé ton frère? Je crois qu'il n'est pas prêt. Mesdames et messieurs, le grand protecteur de Wolfsberg, le monstre qui règne en vrai de Chouvanie. C'est mon fils. C'est lui le grand protecteur. C'était sa destinée. C'est dur à accepter. Donc je m'habitue tout doucement. C'est une grosse responsabilité pour un gamin de 14 ans. Mais ce n'est plus un gamin. C'est un homme. Attends, laisse-moi t'acheter. Oh, c'est pas la peine, mais merci quand même. Quoi? Cop McCann, c'est moi. Tu veux venir au bal de promo avec moi? Oh, désolé, j'ai déjà un cavalier. Mais merci. À plus.
qui voulait m'inviter au bal de promo. Je le crois pas. J'ai dit non. Là, je comprends pas. T'es tombée sur la tête en Roumanie ou quoi? Pas du tout, au contraire. C'est juste que j'ai déjà un cavalier. Non, t'es sérieuse? T'as mis grappin sur le nouveau mec canon du lycée. T'es une vraie tigre. Je crois pas, c'est bien dit. J'en reviens. On se voit à l'entraînement, les filles.